Aujourd'hui, nous voulons célébrer Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever afin de célébrer Dieu? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout afin de célébrer Dieu? Aujourd'hui, c'est une journée, un jour exceptionnel pour toi. Exceptionnel parce que Dieu t'a fixé rendez-vous en ces lieux. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a ramené ici. Mais j'ai dit à quelqu'un, si le Seigneur t'a ramené ici, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Nous allons célébrer Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là qui nous a choisis. C'est Jésus-Christ qui nous a mis à part pour lui. C'est Jésus-Christ qui a voulu que nous puissions être les meilleurs dans nos familles. C'est Jésus-Christ qui a voulu que nous puissions être meilleurs là où nous travaillons. C'est Jésus-Christ là qui nous couvre de ses grâces. Alors nous voulons simplement lui montrer notre reconnaissance. En lui disant merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci Dieu parce que tu m'as tiré de la boue, là où j'ai pataugé. Tu m'as lavé et tu m'as fait asseoir avec des grands. J'étais errant, j'étais sans identité, j'étais sans repère. Mais avec toi Jésus-Christ, j'ai trouvé la voie. J'ai trouvé la vie, tu m'as donné la vie. Non seulement que tu nous as donné la vie, mais tu nous as donné la vie éternelle. Seigneur, nous, nos parents n'avaient pas de richesses pour faire de nous des héritiers. Mais toi, tu as fait de nous des héritiers. Des co-héritiers avec toi. Tu nous as placés dans la lignée d'Abraham.
afin que nous puissions être bénéficiaires de toutes les promesses que tu as consignées pour Abraham. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons que te louer. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que t'exalter. Parce que tu es véritablement notre Dieu. Parce que tu es le meilleur. Ô Seigneur, nous t'élevons. Ô Seigneur, nous te louons. Tu nous as appris à être prêts. Parce que tu as tes promesses sur nous. Tu nous as demandé d'être là où nous sommes. En nous disant que même si ça tarde, ça finira par se réaliser. Voilà pourquoi avant même que ça se réalise, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Dieu. Nous te disons merci Yahweh. Tu es véritablement notre Dieu. Ozanza mbe na bolingo. Obongi na lokumu. Yahweh lokumu ezaya yo. Ozanza mbe na bolingo. Zambe na bolingo. Solo yo bongi ye. Yahweh loku mwango ya nani Oza nzambe na bolingo Nzambe na bolingo Solo yo bongiye Bongi na loku mwango ya nani Yahweh loku mwango ya bongi ndo na nani Salangai na tato la ye Mbuya ya loboko na yo Koti sana yemba ye Elakaye komalo yembo Nenge yo salaka papa ye Yangonde komama bina Kongonga na tato la papa ye Na mabota nyoso Ozanzambe na bolingo Solo yo bongi ye Oh ya ya loku mwango ya nanye Oh loku mwe bongi ndo na nanye Eloche maboko e bongi ndo na nanye Bongo mololo mololo e bongi ndo na nanye Salaka papa na kanga mote mateo Na moni bika mwana yo na kanga mote mateo Na moni loboko na yo na kanga mote mateo Na moni bika mwana yo na kanga mote mateo Yahweh loku mwango ya nani yo Na pesa yo loku mwe Na ina ni mwazambe Na pesa yo loku mwe Yahweh loku mwango ya nani ye Yahweh loku mwango ya nani ye Oh, eza ya yo, ya yo, ya yo Lokumu esa ya yo, lokumu esa ya yo, lokumu esa.
Yahweh, le Kumweza, ma tranquillité, oh. Et Bandeli Bessou, Kaisayo, Zambé, et Lombe, oh. Yahweh, Lombe, oh. Yahweh, le Kumweza, oh. Le Kumweza, Yahweh, le Kumweza, Yahweh. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Après deux grandes journées dans la présence de Dieu, nous nous retrouvons encore. Vous êtes les plus bénis. Vous avez bravé la fatigue. Il y en a qui se sont dit 18 jours. C'était trop. Nous disons merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de le servir sur cette chair. Comme le pasteur l'a dit hier ou avant-hier, cette chair lui appartient. Amen. Amen. Donc, si nous y sommes, il nous a fait confiance que nous puissions le remplacer juste pendant ces temps. Et nous prions le Seigneur pour que nous puissions opérer sous l'onction qui opère avec lui. Et que la faveur exceptionnelle qui repose sur lui puisse reposer sur nous. Il n'est pas avec nous physiquement, mais nous sommes ensemble sur le plan spirituel. Amen. Amen. Nous lui disons merci et nous disons merci aussi au pasteur Viviane. Nous disons aussi merci au comité. Et à tous les responsables qui ont accepté que nous puissions partager la parole. Et nous disons aussi merci parce que vous êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, je suis en train. Il n'y a personne qui allait dire amen. 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 Nous passons des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Après que nous puissions écouter plusieurs orateurs qui sont passés ici, c'est difficile de trouver encore d'autres thèmes. Bon, vous allez nous excuser s'il faut faire la répétition. On dit que la répétition est la mère de la science. Et on va faire un effort pour dire quand même quelque chose de nouveau. Avec nous allons lire dans 2 Chroniques 16, à partir du 9e verset. La Bible dit ceci: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. 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 Car l'Éternel étend ses regards pour Yahweh a tsemboli et talelinaye sur toute la terre na mabele mobimba pour soutenir pour la kosunga ceux dont oyobaye le cœur est tout entier à lui. Mitema ezamo bimba epainaye. Amen. Amen.
Le Seigneur étend ses regards sur toute la terre. Il y a d'autres versions qui disent il étend constamment ses regards sur la terre. Pour chercher qui est-ce qu'il va soutenir. Amen. Amen. Même maintenant, le Seigneur étend ses regards sur l'Église parole de vérité. Pour savoir qui est-ce qu'il peut soutenir. Les faveurs, Dieu les accorde à tout le monde. Voilà pourquoi il y a certaines lois qui s'exécutent sur la terre sans qu'on ne le veuille. La loi de la moisson, la loi de la semaille. Donc si tu sèmes le maïs quelque part, c'est sûr que ça va monter. Ça va produire. Il y a le froid, il y a le chaud. Aussi longtemps que la terre va exister, toutes les lois vont exister. Il fait tomber la pluie et sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber la pluie et tous ceux qui ont un cœur mauvais et même ceux qui ont un bon cœur. Mais il dit ceci. Il soutient ceux qui ont un cœur tout entier à lui. C'est qu'il y a des exceptions. Le soutien de Dieu est là, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il a les regards sur toute la terre. Il a les regards partout où nous sommes. Voilà pourquoi personne ne peut échapper à la vision de Dieu. Que l'on soit au travail là où nous sommes. Que l'on soit à la maison là où nous sommes. Que l'on soit en cours de route. Que l'on soit en voyage. La Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour chercher qui est-ce qui va soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse le soutenir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend au soutien de Dieu aujourd'hui? Mais il y a une condition. Ce n'est pas tout le monde qui va soutenir. Voilà pourquoi je voudrais prendre un thème, sous-thème par rapport au thème que nous avons. Un homme exceptionnel pour une faveur exceptionnelle. Une femme exceptionnelle pour une faveur exceptionnelle. Un jeune homme exceptionnel pour une faveur exceptionnelle. Une jeune fille exceptionnelle pour une faveur exceptionnel. Un couple exceptionnel pour une faveur exceptionnelle. Des relations que l'on va construire exceptionnellement pour une faveur exceptionnelle. Voilà le sous-thème que nous allons partager ce soir. Le Seigneur étend ses regards pour chercher qui est-ce qui peut avoir des exceptions. Nous sommes nombreux. Mais il cherche quelqu'un qui a des exceptions. Voilà le sens de l'exceptionnel. Le Seigneur cherche un homme qui présente une exception. Pas un homme normal, un homme qui présente une exception. Et c'est cet homme qui a un cœur tout entier. Quand le pasteur nous a demandé de prêcher aujourd'hui, j'ai demandé qu'est-ce que je devais partager. J'ai eu deux images sur notre église. Ces deux images m'ont enseigné beaucoup de choses. La première image que j'ai vue, c'est notre église qui est remplie de la terre. Et ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est une terre très noire. Amen. Amen. Et la deuxième image que j'ai vue, c'est que nous sommes dans cette église. Il y a des moellons. Et je vois du sable. Il y a des gens qui sont en train de fabriquer des briques.
briques avec du sable et d'autres qui utilisent des moellons. Et ces deux images, le Seigneur m'a dit, ça représente ce mois de janvier. Le mois de janvier, c'est vrai, c'est le premier mois. Le premier mois de l'année. Et tout ce qui est premier devant Dieu a toujours un sens. Tout ce qui est un devant Dieu a un sens. Et surtout pour notre église. C'est le mois qui précède l'événement le plus important de l'année. Et nous sommes en train de nous préparer également pour cet événement. Mais au-delà de cela, le Seigneur m'a fait voir que c'est un mois où nous sommes en train de poser les jalons pour toute l'année qui commence. Et tout dépend de chacun. Et les deux images, qu'est-ce qu'il a voulu m'enseigner? La terre noire, il m'a dit, c'est le mois le plus fertile. Quand vous faites les champs, si vous voulez que ça puisse produire, il faut travailler le sol. Et vous allez voir les sols qui sont noirs, ce sont les sols qui produisent le plus. Et ce mois pour nous est considéré à cette terre noire. Tout dépend de chacun, de la manière dont il considère ce mois. C'est le mois le plus fertile. Et un maïs que l'on sème au mois de juin ne croit pas de la même manière qu'un maïs qu'on sème au mois de janvier. Quand il y a la pluie, quand on vous les ali, il y a possibilité que la croissance puisse être rapide. Ce mois de janvier, sur le plan spirituel, notre église, c'est le mois le plus fertile. Et si c'est le mois le plus fertile, les plus avisés, les plus intelligents, les plus opportunistes, ils vont saisir les occasions pour s'aimer le plus. C'est le mois où il faut s'aimer le plus. C'est le mois où il faut donner le meilleur de soi. Et si vous voulez récolter plus au long de l'année, c'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Tout dépend de toi. Si tu veux accepter cette image et considérer que ce temps que nous sommes en train de passer dans la prière, ce ne sont pas des moments vains. C'est le moment où nous allons s'aimer le plus. Et c'est les meilleurs que nous avons. Sur tous les plans. Que ce soit sur le plan de la prière. C'est le moment où il faut beaucoup prier. Nous voulons que ce mois puisse commencer le plus mieux possible pour espérer encore mieux. Quand les prémices sont saines, le reste le sera. Quand la racine est bonne, le reste le sera aussi. Quand vous semez beaucoup dans une terre qui est aussi fertile, vous pouvez espérer récolter des bonnes choses. Les semences sont de plusieurs domaines. Que ce soit sous le plan financier. Quelqu'un qui a saisi cette image, il va se dire, c'est le mois où je vais offrir le mieux possible. C'est le mois où je vais donner les offrandes comme je n'ai jamais donné. Parce que c'est le mois le plus fertile. Je parle à quelqu'un qui est intelligent. Je parle à quelqu'un qui a saisi une opportunité de s'aimer. Je parle à quelqu'un qui a entendu une voix et qui ne sera pas insensible et qui va se dire, avant que ce mois ne se termine, tout pour s'aimer le mieux que je peux. Que ce soit sous le plan financier, que ce soit sous le, en termes de temps, je donne le meilleur de moi. Et c'était un test pour les deux journées. C'est vrai, le 16 et le 17, ceux qui travaillent, ils disent,
C'est un moment que nous pouvons nous reposer. Le pasteur a convoqué les deux journées pleines. Personne ne s'est reposé. Nous avons donné notre temps à Dieu. Vous n'avez pas, je vous dis, vous n'allez pas le regretter. Les deux jours que vous avez passés pendant le mois de janvier, c'est peut-être les meilleures semences de temps que vous ayez fait dans votre vie. Parce que c'est le mois le plus fertile. Vous avez passé toute votre journée dans la présence de Dieu. En fait, écoutez seulement les choses de Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, bien aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas parti. C'est une grosse semence que vous avez faite. En termes de temps. Et Dieu vous donnera plus que le temps. Puisque vous lui avez donné votre temps. Il vous donnera plus que le temps. Isaac était en train de dire. Je ne pensais pas que j'allais voir mon fils. Je ne pensais pas que j'allais voir son visage. Mais en plus de son visage, j'ai vu même sa postérité. Il ne s'attendait pas qu'il allait voir son fils. Son fils qui était vendu. Il pensait qu'il était mort. Mais il a revu son visage. Et en plus même de son visage, il a vu la postérité. En plus du temps que tu as donné, en plus des choses que tu t'imaginais pas avoir, puisque tu as donné le temps à Dieu, il te donnera au plus de ce que tu as donné. C'est le moment le plus fertile. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir. Si tu n'as pas encore réalisé cela, j'aimerais que tu reconsidères ce mois de janvier. Tout ce que tu es en train de faire, j'aimerais que tu puisses reconsidérer ça. J'aimerais que tu puisses requalifier tout ce que tu étais en train de faire. Que tu te dises, je ne verrai pas passer que ce mois de janvier que je n'ai fait le meilleur de moi. Et la deuxième image, elle parle du moellon et du sable. C'est qu'il y a des gens qui vont construire avec des moellons. Et il y en a d'autres qui vont construire avec des briques seulement comme fondement. Il y a des maisons. Les gens, ils prennent seulement les briques. Et peut-être les briques, ils ont fabriqué 50 blocs. Ou même 100 blocs par sac de ciment. Et vous voyez un peu 100 blocs, on utilise un sac de ciment. C'est que ce sont des blocs qui sont vraiment très légers. Et il y en a qui vont utiliser ces blocs. Et c'est sur ça qu'ils vont bâtir cette année pour eux. Il y en a d'autres qui vont utiliser des moellons. Ils sont avec nous ici. Et c'est sur ça qu'ils vont bâtir leur année 2018. J'aimerais que tu sois parmi ceux qui vont utiliser les moellons pour cette année 2018. Parce que cette année, il y aura des pluies qui vont tomber. Il y aura des grandes pluies qui vont tomber. Il y aura des grosses pluies qui vont tomber. Des pluies de bénédiction. Je n'aimerais pas que ta maison, ce que tu auras construit, puisse être emportée par les pluies. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être emportés par les pluies. Comme Jésus le disait, l'un de vous ou l'un de nous est un démon. Parmi nous, ce n'est pas tout le monde qui arrivera à la fin de l'année 2018 et puisse dire que cette année a été réellement une année exceptionnelle. C'est une réalité. Mais ce qui est certain, il y en a à la fin de l'année. Ils vont rendre des témoignages que cette année a été la meilleure de ma vie. Que cette année 2018 a été la meilleure pour notre église. Parce que ce sont des gens qui ont saisi des opportunités. Ce sont des gens qui ont compris et qui ont pris comme fondement les moellons qui représentent le roc. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur. Ce ne sont pas des théories qu'on est en train de raconter. La faveur exceptionnelle, elle est là. La Bible dit ceci, le Seigneur étend ses regards pour chercher sur qui il va reposer sa faveur exceptionnelle. Le Seigneur étend ses regards sur toute la terre. Le Seigneur étend ses regards dans l'église pour chercher qui
est-ce je peux reposer ma faveur exceptionnelle. Ce n'est pas tout le monde qui va jouir de cette faveur exceptionnelle. Mais je souhaite que chacun de nous puisse participer, nous puissions témoigner, que nous puissions rendre des expertises partout ailleurs et dire nous avons été sujets des faveurs exceptionnelles. Mais pour cela, vous avez besoin de bâtir sur l'Europe. Vous avez besoin de bâtir sur ce qui est solide. Là, on parle de la pluie qui va tomber. Ce n'est pas seulement la pluie ici. Il y a des gens qui vont être bénis cette année. Il y a des grandes bénédictions sur tous les plans qui vont tomber sur cette église. Mais il y a des gens qui vont être terrassés par ces bénédictions. Il y a des gens qui vont fuir l'église à cause de ces bénédictions. Ce sont des choses réelles. Mais je ne souhaite pas que ce soit toi. Comme lui-même il le disait, l'un de nous est un démon. C'est une réalité. Je vous le dis aussi, c'est un fait. À la fin de l'année 2018, il y en a qui vont nous fuir parce qu'ils seront tellement bénis. Et pourquoi est-ce qu'ils vont nous fuir? Parce qu'ils ont construit sur quelque chose de n'est pas solide. Mais nous, ce ne sont pas les bénédictions qui vont nous emporter. Mais par contre, ces bénédictions vont nous rapprocher davantage de Dieu. Je ne veux pas être comme cet homme qui, alors qu'il était piéton, il pouvait marcher avec tout le monde, il pouvait parler avec tout le monde. Et le jour où il a eu une voiture, quand il passe en cours de route, il suffit qu'il voit un frère ou une soeur à côté, il commence à regarder le téléphone. Alors on se pose la question, mais son téléphone il le regarde toujours. Ce sont des hommes qui ont été terrassés par des bénédictions. Ce sont des hommes qui ont bâti sur du sable. Et quand les bénédictions sont venues, au lieu d'être solidifiés, ils ont été terrassés. Peut-être c'est par le mariage. Ils vont être bénis par les mariages. Et dans les mariages, ils vont exploser. Et il y en a d'autres qui vont nous fuir. Parce qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Il y a des profiteurs qui sont parmi eux. Je ne souhaite pas que tu sois un profiteur. Je ne souhaite pas que tu sois un profiteur. Voilà pourquoi je te demande de bâtir sur le voilà pourquoi je te demande de bâtir sur les moellons et de profiter de la fertilité de ce mois. Amen. 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 Un homme exceptionnel pour une faveur exceptionnelle. Amen. Amen. Une femme exceptionnelle pour une faveur exceptionnelle. Un couple exceptionnel pour une faveur exceptionnelle. Voilà la pensée de Dieu pour notre église cette année. Nous voulons être exceptionnels dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons être exceptionnels dans nos vies en couple. Nous allons demander à Dieu afin que tous les couples dans cette église puissent vivre une faveur exceptionnelle. Nous allons chasser loin de tous les couples dans cette église tous les esprits de divorce, tous les esprits de séparation, tout ce qui est en train d'entrer pour détruire les couples dans cette église. Nous allons les chasser au nom de Dieu, parce que la pensée de Dieu pour cette église cette année, c'est être exceptionnel dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi chacun de nous, là où il est, dans ta petite parcelle de pouvoir, fais tout d'une manière exceptionnelle. Que tu sois dans ta maison, dans ton foyer, fais tout exceptionnellement. Que le Seigneur qui est en train d'étendre ses regards, qui s'arrête sur ta maison et qui te voit, parce que tu es en train de faire des choses
qui font du bien à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes petits-enfants, 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 à tes pet
j'ai copié là-bas. Na kanga awa na kanga kuna. Et voilà pourquoi j'ai ça. Talatina na sana oyo. Il dit même des fois les cris que j'ai fait. Baba la mususu makamba Maria na sana. Quand il prêche, il a toujours fait un cri là. A gangi. C'est quel cri qu'il a toujours fait? Ezako kanga lolingeni. Wow. Il a dit qu'il a copié aussi ça. Ah, hein, Alandango. Il a copié chez qui? Alanda Panen. Il a copié ça chez Renard Bonquet. Alanda Panen, pas Renard Bonquet. Renard Bonquet aussi, quand il presse, Renard Bonquet, tant il fait toujours. Hey! Hey! Alors lui aussi, il a copié ça. Ah, Alandango. Amen. Amen. Et quand je lis dans Ecclésiaste 1, 9 à 10, Ecclésiaste, Mokapunaga Yambo, la Bible dit ce qui a été. Ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Voilà pourquoi lui-même il a dit Amen, copieur. Je suis un copieur. Il n'y a pas de mal à copier. Alléluia. Il n'y a pas de mal à copier. Mais le problème, c'est de savoir copier. Un homme exceptionnel. Mota Keseni. Dans la Bible, il y a eu des hommes exceptionnels. La Bible dit, dans les siècles passés, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, ça s'est passé aussi dans les siècles. La faveur exceptionnelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été vécu par d'autres personnes qui nous ont précédés avant. On ne va pas inventer la roue. Comment devenir un homme exceptionnel? Comment faire des exceptions pour attirer la faveur de Dieu? Pour que la faveur exceptionnelle puisse nous localiser. Nous n'allons pas inventer la roue. Nous allons seulement copier. Puisque la Bible dit, tout ce qui se vit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Ça s'est passé aussi dans les siècles avant. Mais nous n'allons pas copier chez n'importe qui. Alors pourquoi nous allons regarder la vie de quelques hommes que les bien-aimés qui nous ont précédés ont aussi touché. C'est vrai, quand vous voulez copier, vous voulez copier par exemple un fichier d'un giga. Est-ce qu'on comprend un giga? Est-ce qu'on comprend? Ok. Quelqu'un qui veut copier un fichier de 1 giga qui se trouve sur l'ordinateur et, ça, machine. Et il veut mettre ça sur un flash qui et a la flash moko, 10 mégas. Il y a 10 mégas. Est-ce que ça va marcher? Eko Simba. Ça va pas marcher. Hein? Eko Simba te. Il y aura un message d'erreur qui lui dit qui et va la, dire la maloba moko ya espace kubungi, insuffisant. Et si ka eza mukuse. N'est-ce pas? Boete. Donc il y a des hommes qui nous ont précédés. Et ça, bato ba leka. Comment est-ce que nous pouvons copier ces hommes-là? Si nous ne pouvons pas préparer les supports sur lesquels nous devons copier, vous allez avoir ce message espace insuffisant. Voilà pourquoi avant de lancer la procédure de la copie, nous avons besoin de créer de l'espace. La faveur de Dieu est là. Le Seigneur étend ses regards pour chercher sur qui il va déverser sa faveur. Mais est-ce que nous avons de l'espace pour recevoir sa faveur? Ésaïe 54 nous dit: élargis l'espace de ta tente.
qu'on déploie tes couvertures de la demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je voudrais nous préparer à copier ce que les autres ont présenté comme attitude et qui ont attiré la faveur exceptionnelle. Mais avant de le faire, nous avons besoin d'élargir notre espace. Élargir l'espace de ta tente. Supprime les fichiers qui sont inutiles dans la vie. Nettoie les choses qui peuvent t'empêcher d'être libre pour recevoir la faveur exceptionnelle. Il y a des fichiers que tu as gardés depuis très longtemps et qui sont même corrompus, qui ne sont pas utiles, qui vont t'empêcher de recevoir. Quand tu vas lancer le processus de copie, ça ne va pas arriver à terme. On dira l'espace est insuffisant parce que tu n'as pas d'espace autour. Élargis l'espace de ta tente. Augmente tes temps de prière. Augmente tes temps de méditation. Crée une relation grande avec la présence de Dieu. Si tu veux faire une copie comme les autres, si on se met à te dire ce qu'ont été ces personnes que nous allons partager ce soir, dire, est-ce que je peux seulement copier? Parce que si on t'étale un peu la vie de Jésus, il a passé toute la nuit en train de prier. Mais toi, si seulement on dit nous allons commencer la prière, tu vas dire seulement 3 ou 4 mots et tu commences à passer au fou que tu vas manger le soir. Et tu veux faire la copie. Il y aura un message d'erreur. Espace insuffisant. Si tu veux que cette copie que tu veux faire puisse réussir, élargis l'espace. Crée-toi de l'espace pour que tu ne puisses pas étouffer ce que Dieu va te donner. Il y a des gens qui vont tuer ce que Dieu est en train de préparer pour eux parce qu'ils ne vont pas donner de l'espace. Crée de l'espace. S'il y a quelqu'un qui t'empêche d'aller de l'avant, le pasteur a dit ça hier, si même un responsable t'empêche d'aller de l'avant, viens le voir. Je ne sais pas évoluer parce que mon responsable m'empêche toujours d'aller de l'avant. Cette année, c'est une année où personne ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Cette année, c'est l'année où personne ne peut s'ériger en obstacle pour que tu vives la faveur exceptionnelle. Si le pasteur lui-même il a dit, je ne le ferai pas, à combien plus forte raison nous-mêmes? Amen. Amen. À combien plus forte raison nous-mêmes? Élargis l'espace de ta tente. Mets-toi tout ce qui est autour de toi. Ouvre ton chemin. Enlève tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Toutes les relations qui t'empêchent. Toutes les personnes qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. S'il y a des relations qu'il faut briser, brise-les. Il y a quelque chose de grand qui t'attend cette année. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour chercher un homme exceptionnel. Et un homme exceptionnel, c'est celui qui va prendre des décisions ce soir. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je ne vais plus. Je ne vais plus marcher avec cette personne. Et aujourd'hui, j'arrête avec cette personne. S'il y a des fiançailles qui doivent s'arrêter, qu'elles s'arrêtent ce soir. S'il y a des fiancés qui vont recevoir des SMS, en tout cas, je m'excuse beaucoup.
nous pouvons nous arrêter à partir de ce moment. Mais nous restons toujours des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est une sœur qui a toujours harcelé. Il y a des sœurs qui harcèlent les frères. Il y a des sœurs qui harcèlent vraiment les sœurs. Nous avons déclaré cette année 2018 une année où nous allons vivre des mariages chastes. Nous allons vivre des relations chastes. Nous allons vivre des relations des vierges. Ça doit être du renouveau même. Voilà pourquoi nous allons organiser cette journée de dimanche. C'est un fardeau que nous avons à cœur. Nous voulons prier beaucoup pour nos relations. Nous voulons que l'image de Dieu soit transformée aussi par nos relations. Quand on nous regarde en cours de route, qu'on dise ils sont de quelle église? Pourquoi? Parce que vous respirez la sainteté. Parce que vous respirez la sainteté. Quand on regarde tel couple, ce couple, il est de quelle église? Cette année, c'est une année où tout doit être exceptionnel. Et ça ne se fera pas sans toi. Ça ne se fera pas sans toi. Nous sommes tous appelés à mettre pour que cette année soit la meilleure pour nous. Que ça ne soit pas des théories. Nous n'avons pas d'autre pouvoir que la que déclarer ce que nous croyons. Nous nous disons, mais comment ça va arriver? Nous faisons confiance à Dieu. Au moins, nous avons déclaré. Plutôt que garder la bouche fermée. Amen. Amen. Un autre message d'erreur que l'on peut avoir quand on commence à faire la copie. On dira que le support sur lequel tu es en train de copier a des secteurs défectueux. Bon, vous savez, quand on travaille quelque part, on trouve toujours un peu des images attachées à ce qu'on fait. Quand tu lis quelque chose, bon, tu rattaches toujours un peu à la parole. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Le flash disque peut avoir des secteurs qui sont défectueux, des pistes qui sont défectueuses. Et la copie ne peut pas aussi marcher. Et quelle est la solution qu'il faut pour ce cas-là? Quand un flash disque n'est pas bon, est-ce qu'il y a des informaticiens parmi nous? Qu'est-ce qu'on fait quand un flash disque n'est pas bon? On formate. Donc, on a besoin de formater Sinofi. Nous avons besoin de nous formater. Quand on dit formater, ça veut dire écraser tout ce qui a suivi. Si nous voulons que cette année soit une année exceptionnelle, il y en a qui ont besoin de formater leur fille. Il y a besoin des gens qui ont besoin d'écraser tout ce qu'il y a et de donner tout leur cœur tout entier à Dieu. Les années antérieures, il y a eu trop de mélanges. Il y a eu trop de mélanges. Et des fois même, on semblait que tu étais béni. On pouvait même donner des actions de grâce alors que toi-même, tu savais que ce sont des combines que tu fais. On te voit toujours avec des belles, des beaux habits. On te voit toujours avec des belles véhicules, des beaux véhicules. Mais au fond, toi-même, tu sais. Où est-ce que tu trouves ça? Et des fois, tu fais même des actions de grâce. Cette année, nous ne voulons plus de mélange. Nous voulons que toute la gloire revienne à Dieu. S'il faut te formater, demande que tu sois formaté ce soir. Même si tu ne connais pas la signification de formater, dans la prière, tu vas dire, Seigneur, formate-moi. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Il ne va pas te tuer. Il va te préparer pour faire la copie.
copie sera une copie intégrale qui ne va pas trouver des secteurs défectueux. Amen. 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 Des fois, il y a la machine ne marche pas. La machine est lourde. Machine est à kilo. Les informaticiens, qu'est-ce qu'on fait des fois? La machine, tu touches ou même le téléphone. Le téléphone des fois, tu appuies les boutons. Surtout les Android ou les iPhone. Android, qu'est-ce qu'on fait? iPhone, basala kanini. On redémarre à chaud. Ah bah mon laptop est là, je bouge, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton. Au fini le bouton T. Et puis je redémarre. Et quand il redémarre, il charge de nouveaux fichiers. C'est-à-dire, si il était lourd, ce cas kilo, c'est parce qu'il y avait des fichiers aussi qui étaient corrompus. Bien, la mémoire était en train d'être remplie. Voilà pourquoi il y a certains programmes qui ne pouvaient pas. Et deux fois quand tu appuie sur le bouton, fini le bouton. C'est-à-dire il sera forcé à fermer tous les programmes qui étaient il sera forcé à fermer tous les fichiers qui étaient corrompus et il va régénérer de lui-même de nouveaux fichiers. Il y a des gens qui ont besoin d'être rebootés ce soir. Il y a des gens qui ont besoin d'être redémarrés ce soir. Est-ce que tu peux appuyer un peu sur un bouton? Appuie sur le bouton. Essaye de redémarrer ton voisin. Tu le redémarres. Je te redémarre au nom de Jésus. S'il y a des fichiers qui étaient corrompus, charge de nouveaux fichiers. Charge de nouveaux programmes. Que cette année soit une année exceptionnelle. Que tu charges de nouveaux fichiers. Que tu charges de nouveaux programmes. Que tu aies des programmes qui vont te propulser. Sois rapide. Parce que tu étais trop lourd. Tu marchais, il fallait te forcer. Mais tu n'as pas redémarré. C'est la vitesse maintenant. Le pasteur l'a dit, cette année c'est une année de vitesse. Vitesse. Et pour qu'il y ait la vitesse, on a besoin de se redémarrer. Redémarre ton frère. Dis, je te redémarre au nom de Jésus. S'il y a des programmes qui étaient lourds, s'il y a qui étaient lourds, recharge des nouveaux fichiers. Oh, Jessica. Recharge des nouveaux fichiers au nom de Jésus. Jessica la combo la Jésus. Recharge des nouveaux programmes au nom de Jésus. Programme Jessica la combo la Jésus. Que cette année que tu commences avec des nouveaux programmes. Vous la banana programme Jessica. Avec des nouveaux fichiers. Oh banana fichier Jessica. Avec des nouvelles habitudes. Oh bizarre Jessica. Avec des nouvelles habitudes. Oh bizarre Jessica. Avec des nouvelles attitudes. Oh bizarre Jessica. Avec des nouvelles attitudes. Oh bizarre Jessica. C'est vrai. Ce sont les responsables peut-être qui vont le remarquer. On te voyait toujours dans cette sœur, elle a toujours l'air de quelqu'un qui boude. Quand vous lui demandez quelque chose, on ne sait pas s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Cette année, parce que tu as redémarré, on va le remarquer au nom de Jésus. Et on va donner le témoignage au pasteur que ce frère, c'est devenu un très bon frère. Et même les responsables vont être aussi redémarrés. Si il ne donnait pas de bons rapports au pasteur, il faut être rapide pour amener les rapports au pasteur. Il faut amener de bons rapports au pasteur pour que le pasteur vous découvre et qu'il vous donne ce qu'il doit vous donner. Cette année, c'est une année où les jeunes gens vont exploser parce qu'ils vont être découverts. Parce qu'ils vont être découverts. Mais comment est-ce qu'on va vous découvrir si vous avez encore des anciens fichiers? Si vous avez encore des anciens programmes, si vous avez encore des anciennes attitudes, c'est fini ces choses. Nous commençons de nouvelles choses et nous allons bâtir sur les moellons. Nous allons bâtir sur les rocs
et nous allons vivre la faveur exceptionnelle. Et le Seigneur qui est en train de tendre ses regards va nous localiser. Même quand on nous cachait, lui il va nous voir. Même si nous sommes cachés, même si on nous cache, David était caché quelque part, on ne pouvait pas le voir. Mais il est arrivé. La faveur de Dieu l'a localisé. Malgré qu'on le cachait, la faveur de Dieu l'a localisé. Il l'a amené jusqu'à la royauté. S'il y a des gens qui te cachent partout où tu es, ce soir il y a la faveur de Dieu qui va te localiser. Et s'il y a des gens qui doivent sauter, s'il y a des gens qui doivent perdre leur vie, s'il y a des gens qui doivent mourir, la faveur de Dieu va te localiser ce soir. Et il va te mettre à ta place pour que tu sois roi. S'il faut que tu sois responsable, c'est possible que ce soit, tu reçoives un appel du pasteur là où il est, qui te dise demain je vais te voir dans mon bureau. C'est possible. C'est possible. La grâce de Dieu est sur nous. Ayons un cœur tout entier à lui. Si nous voulons qu'il puisse nous regarder, ayons un cœur tout entier à lui. Des hommes qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont été? Regardons cet homme, Abraham. La Bible dit: quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et dans la descendance d'Abraham, qui était mon ami? C'est dans Ésaïe 41:8. Jean 14:15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appellerai pas mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Amen. Amen. Quelque chose que nous devons copier. Est-ce que quelqu'un est prêt à copier? Quelque chose que nous pouvons copier chez cet homme, Abraham, qui a eu la faveur exceptionnelle de Dieu. Ce n'est pas du nouveau. Si c'est arrivé chez Abraham, ça peut arriver aussi chez toi ce soir. Qu'est-ce que Dieu a dit d'Abraham? Dieu a dit: Abraham, mon ami. Oh Seigneur, je voudrais être un ami de Dieu. Est-ce que quelqu'un prend aussi la décision de devenir un ami de Dieu? Parce qu'il était ami de Dieu, il a attiré la faveur de Dieu. Et nous savons tout ce qui s'est passé avec Abraham. Et Jésus est en train de dire aussi à Jésus: je ne vous considère plus comme mes serviteurs, je vous considère comme mes amis. Est-ce que vous êtes des amis de Jésus? Qui est un ami? Quand est-ce qu'on peut parler d'un ami? Est-ce que vous êtes des amis de Jésus? Ou vous vous considérez toujours comme des serviteurs? Faites un pas à partir d'aujourd'hui. Dis: Seigneur, je prends la décision de devenir ton ami. J'aimerais franchir l'étape de serviteur. Si seulement tu es serviteur. Il y en a qui ont besoin d'abord d'être des serviteurs avant de devenir des amis. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut reposer. Un ami, c'est quelqu'un qu'on peut appeler n'importe quoi. Un ami, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mentir. Un ami, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Un ami, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas trahir. Un ami, c'est quelqu'un à qui on dit tout. Un ami, c'est quelqu'un, quand on a des problèmes, on peut aller déposer sur lui. Est-ce que Dieu est réellement ton ami? En cas de problème, qui est le premier que tu appelles? Papa,
tata, maman, maman, ou oncle, to ou tante, to tata moisi. Même quand tu es malade, Atako, la première des choses c'est l'hôpital. Et boso, c'est le docteur. Ton ami. Nani azamu ningana yo. Est-ce que Dieu est réellement ton ami? Zambaza penza muningana yo. Si réellement Dieu est so ton ami. Penzan, zambaza muni... Le réflexe ça sera. Et le mbe kosala. Au commencement. Naibandeli nzambe. En toutes choses. Na nyoso. Premièrement. Yayambo nzambe. Tu vas éviter de lui faire du mal. Un ami, on ne lui fait pas du mal. Tu vas éviter de vivre la fornication. Tu vas éviter de vivre l'impudicité. Tu vas éviter de voler. Tu vas éviter de mentir. Parce que tu ne veux pas lui faire du mal. Un ami. Un ami. C'est celui qui fait tout ce qu'on lui demande. Et c'est celui qui est toujours à tes côtés. Dans les moments difficiles. Dans les moments bons, c'est celui-là qui est susceptible d'être à tes côtés. Même moi, je ne peux pas être à tes côtés à tout moment. Même le pasteur ne peut pas être à nos côtés à tout moment. Mais il y a quelqu'un qui peut être à nos côtés à tout moment. C'est Dieu. Voilà pourquoi vous avez intérêt à avoir une relation approfondie avec vous. Amitié profonde. Un moment, il y a une période, il y avait un phénomène d'amitié profonde. Ce n'est pas cette amitié profonde là entre frères et sœurs que l'on veut. Ça, ça ne va que vous amener au mal. Un frère et une sœur n'ont amitié profonde. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas des surnaturels. Si vous passez aux côtés d'une femme ou d'un homme, un frère ou une soeur, vous passez tout le temps, vous êtes toujours, quelque chose va naître. D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous allez vous retrouver un jour, oh, qu'est-ce qui nous est arrivé? Amitié profonde. Au lieu de développer cette mauvaise amitié, développer l'amitié profonde avec Dieu. Un ami fidèle. Un ami fidèle. Qui ne peut jamais t'abandonner. Qui ne peut jamais te laisser. C'est Dieu. Et Abraham a compris ça. Voilà pourquoi il a développé sa amitié. Et Dieu a même proclamé devant. Mon ami Abraham. Et Jésus dit, je veux que vous soyez mes amis. Ne vous limitez pas seulement à rester mes serviteurs. Et soyez mes amis. Seigneur, nous voulons être tes amis. Si quelqu'un peut se lever et prier avec moi. Et demander à Dieu. Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur, je veux que ma vie soit formatée. Lève-toi et dis quelque chose à Dieu. Lève-toi et dis à Dieu, Seigneur, je veux être ton ami. 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 Je veux que ma relation soit approfondie avec toi. Que cette année, que ce soit les ressources personnelles avec toi. Je veux compter sur les ressources personnelles avec toi. Je veux plus compter sur les ressources extérieures. Mais je veux compter sur les ressources personnelles avec toi. Je ne veux plus être sujet des connexions illégales. Je veux vivre les connexions directes avec Dieu. Je ne veux plus vivre des miettes. Je veux vivre des choses qui viennent directement de Dieu. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Parce que j'ai une relation avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, oh Dieu, que nous puissions approfondir notre relation avec toi. 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 Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Oh, Sunga Bison Zambé. Ami de Dieu, je veux l'être, Seigneur. 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 Je veux être ton ami.
Je veux quitter l'étape de serviteur. Je veux devenir ton ami, Seigneur. Je veux devenir ton ami, Seigneur. Je veux devenir ton ami, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Est-ce que les amis de Dieu peuvent applaudir? Ceux qui maniguent en Zambie, bakobeta maboko pe milolo. Que Dieu peut acclamer. Maniguent en Zambie, bakobeta maboko pe milolo. On va se mettre. Mettez-vous. Tofandi. Cette année, c'est une année où nous allons compter sur nos ressources personnelles. Cette année, c'est une année où nous allons puiser dans nos ressources personnelles. Nous n'allons plus compter sur les ressources extérieures. Nous allons premièrement compter sur nos ressources avec. Nous n'allons pas compter sur les connexions illégales. Mais nous allons compter sur les connexions directes avec Dieu. Nous n'allons plus compter sur les miettes qui est tombé de la table. Nous allons compter sur les plats solides. Je t'invite à monter sur la table. Je t'invite à ne rester par terre. Pendant que les autres sont en train de manger des plats solides, toi tu veux te contenter seulement de miettes. Cette année, nous avons mis fin aux connexions illégales. Nous voulons que ce soit des connexions directes. Tu comptes sur tes ressources personnelles avec Dieu. Si chacun peut compter sur ses ressources personnelles, nous allons avoir une église forte. Un deuxième homme, c'est qui? Nous allons prendre quelque chose pour copier. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un copieur? Ah, mais copieur. Je n'ai pas honte de copier. J'ai copié chez Abraham. Et je vais copier aussi chez un autre homme. Et Maman Viviane en a parlé. Cet homme de David. On nous a parlé de son histoire. Ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Dieu a dit de cet homme. Nous voulons aussi que cette année, que Dieu commence à témoigner de nous. Que nous ne soyons pas seulement nous qui allons, oh non, je suis. Oh non, moi je suis. Maintenant que cette année, que ce soit Dieu qui témoigne. Que Dieu touche celui-là. Non, mais tu connais Oscar. C'est l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu connais tel frère? C'est l'homme selon mon cœur. Ce n'est plus nous qui allons commencer. Je faisais. Mais c'est Dieu maintenant. Voilà ce que nous voulons vivre. C'est vrai. Le pasteur a eu la vision pour cette année. Mais ce que nous sommes en train de faire au mois de janvier, c'est d'essayer d'ouvrir maintenant la vision. Pour savoir comment est-ce que nous allons marcher. Jour pour jour, nous avons des grâces qui tombent sur nous. Amen. 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 Et nous voulons qu'à la fin de l'année, que tu n'aies pas quelque chose à dire. Que tu aies quelque chose. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas différent de nous. C'était un homme comme nous. Qui a commis des péchés. Que peut-être toi-même que tu n'as jamais fait. Mais Dieu a dit de lui. L'homme selon son cœur. C'est possible qu'il le dise aussi de toi. C'est possible que tu deviennes aussi l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher. Dieu ne cherche pas autre chose. Nous avons vu dans le verset que nous avons lu. On nous a dit, le Seigneur étend ses regards pour chercher qui est-ce qui va soutenir. Et la personne qu'il veut soutenir, c'est celui qui a un cœur tout entier. Et tout au long des serments que nous avons eus avec le pasteur et le pasteur Anne, on fait voir. Pour être disciple, nous avons besoin de tout abandonner et donner nos cœurs
Nous voulons encore mettre un accent dessus. Ce ne sont pas des redis. Et même si ce sont des redis, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions mettre un accent dessus. Homme selon le cœur. Homme selon le cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Seigneur, je veux devenir l'homme selon son cœur. Je veux devenir l'homme selon son cœur. Je veux devenir l'homme selon ton cœur. David. Un homme qui s'appuie toujours sur l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Cela sur leurs chevaux. Mais vous, Kasibino, sur qui vous vous appuyez? Et pas nani bozoye kama. Si David a trouvé faveur exceptionnelle devant le Seigneur, c'est parce qu'il s'appuyait sur l'Éternel. Devant n'importe quelle circonstance. Même s'il y a eu des gens qui pouvaient le décourager. Même ses frères et sœurs l'ont découragé. Même le roi l'a découragé. Même l'entourage l'a découragé. Mais lui, il savait sur qui il s'appuyait. Il ne s'est pas appuyé sur sa taille. Il était petit. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur les biens qu'il avait. Il ne s'est pas appuyé sur les connaissances qu'il avait. Il y en a, ils ont des carnets de connaissances. Même quand il est en train d'étudier, il s'est dit, ah, mais toutes mes connaissances vont m'aider pour avoir de l'emploi. Malgré qu'il vient ici, oh Seigneur, tu es mon appui. Mais au fond, pour lui, il a son agenda. Il a des oncles. Il a des tantes. Il a des connaissances. Mais David a dit, moi je m'appuie sur lui. Ce soir, nous avons besoin des gens qui vont dire, Seigneur, nous voulons nous appuyer totalement sur toi. Toutes les fois que nous allons rencontrer des difficultés, toutes les fois que nous allons nous retrouver devant des obstacles, tu seras toujours le premier recours. Que Dieu puisse créer des réflexes en nous. Que devant n'importe quelle situation, que ce soit Dieu qui est le premier recours. Que ce ne soient pas tes connaissances qui sont les premières. On t'arrête par les roulages. Les premiers étaient, oh non, je cherche le frère Trésor. Je cherche papa Ado. Il y a eu un chat qui a miaulé là autour. Tu commences à chercher le téléphone pour appeler le pasteur. L'homme d'autrui, il est en train de dormir. Cette année, c'est une année où tout le monde va s'appuyer sur l'Éternel. Nous avons besoin de l'église où tout le monde s'appuie sur l'Éternel. Et on a vu ce qu'il a fait. En s'étant appuyé sur l'Éternel, il a accompli beaucoup de choses. David, un homme qui avait de très bonnes intentions. Et de bonnes intentions. Et Dieu dit, est-ce que tu as eu l'intention de bâtir ma maison? Tu as fait bien. Et Dieu était content. Parce qu'il avait l'intention. Juste l'intention peut attirer la faveur de Dieu sur toi. Comment est-ce que nous vivons tous les jours? Est-ce que les intentions que nous avons, est-ce que ça a toujours été de bonnes intentions? Difficilement, nous pouvons nous mettre là en train de penser, Seigneur, je veux être celui que tu vas bénir pour acheter le jet de l'église. Est-ce que vous allez ma condition? Difficilement, nous allons réfléchir. Comment est-ce que je peux aider notre église à avancer? Si tu n'en as pas là, tu es là, tu te dis, ah, le pasteur a parlé de quelque chose. Même si tu n'en as pas, mais en toi, une bonne intention.
C'est quelque chose de louable. Et la faveur de Dieu peut te toucher. Peut te localiser. Juste à cause de l'intention que tu as. Le pasteur a dit, nous sommes en train de chercher pour acheter une parcelle. Pour il y a des gens qui sont insensibles. Pendant que le pasteur parle de ça, il y en a qui disent même, ah, le pasteur aussi exagère. Mais celle-ci, on n'a même pas encore utilisé comme il faut. Ah, on a tout sollicité. Tu as eu l'intention juste de bâtir. Et le Seigneur lui a dit, tu as fait bien. Je veux être celui qui a toujours de bonnes intentions. Les bonnes intentions pour les frères et sœurs. Quand je vois un frère, par exemple, il n'a pas de bonnes chaussures. Je ne me moque pas de lui. Même si je n'allais pas, le réflexe que je veux créer maintenant, que je me dis, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir. Bonne intention. Je vois un frère ou une soeur qui est dans les manquements. Mais quel est le réflexe que nous avons? C'est... regarde. Des moqueries. Kaka kuchola. Et comment est-ce qu'on peut attirer la faveur de Dieu? Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour attirer la faveur de Dieu. Juste l'intention. La bonne intention. Des bons sentiments. Ayez des bons sentiments les uns envers les autres. Quand je regarde tel frère en train de conduire, j'ai des très bons sentiments à son égard. Et c'est pourtant je glorifie le Seigneur. Juste grâce à ces sentiments que tu as eus, la faveur de l'Éternel. Juste parce que tu as eu des bons sentiments à l'égard d'un frère. Juste parce que tu as eu des bons sentiments à l'égard du pasteur. Juste parce que tu as eu des bons sentiments à l'égard de sa famille. Tu t'es dit, ah, les enfants du pasteur étudient à l'extérieur. Je peux être une bénédiction quand même. Je peux faire quand même un geste. Mais tu n'as rien. Juste, la bonne intention. La faveur de l'Éternel peut te faire. Et c'est des gens, des personnes que Dieu est en train de chercher. Ils ont de bonnes intentions. Et lorsqu'ils seront visités, ils vont concrétiser ces intentions. Voilà, des gens, des personnes que Dieu est en train de chercher. Est-ce que prêt à dire, à partir d'aujourd'hui, je veux être nourri de bonnes intentions. Chaque fois, j'ai un temps libre. Je vais commencer à penser, Seigneur, donne-moi de bonnes intentions. Je veux même avoir un carnet où j'ai les bonnes intentions que j'ai pour mon église, les bonnes intentions que j'ai pour mon département, les bonnes intentions que j'ai pour les frères et sœurs. Écris dans un carnet et un jour viens même offrir ce carnet et dis, Seigneur, voici mes intentions que j'ai pour ton église, pour tes serviteurs. Donne-moi les moyens qu'il faut pour le faire. La faveur de l'Éternel va te localiser. Les yeux de l'Éternel vont te localiser et ils vont te trouver et tu créeras des ressources pour que ces intentions puissent se concrétiser. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir des bonnes intentions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, quand il passe tout son temps là, au lieu de rester en train de rêver, mais que Dieu puisse lui donner des bonnes intentions? Qu'il soit un homme de bonnes intentions. Qu'il soit un homme de beaux rêves pour l'église. Des beaux rêves pour les autres. Des beaux rêves pour le développement de l'église. Seigneur, je veux faire partie de cette place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire partie de cette race? Des gens qui vont être localisés à cause de bonnes intentions qu'il a, à cause de bons sentiments qu'il a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Que le Seigneur t'accorde cela. S'il y a déjà quelqu'un qui a de bonnes intentions ce soir, de bâtir une maison, que Dieu t'accorde au-delà de l'intention que tu as maintenant.
quelqu'un qui a une bonne intention vis-à-vis du pasteur, que là où il est, que ce qu'il est en train de dire là, que toutes les bénédictions qu'il est en train de dire là, que ces bénédictions te localisent. Si tu as des bonnes intentions maintenant pour l'église de Dieu, que tu reçoives la bénédiction de l'église, que tu reçoives les bénédictions de l'église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Milolo Maboko. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? La manière dont tu célèbres le Seigneur, que ses regards te le réalisent. La manière dont tu le célèbres. Que ses regards puissent te localiser maintenant. La manière dont tu es en train de le louer. Que ses regards puissent te localiser maintenant. Oh Seigneur, que ta faveur soit sur nous. Bola mwesa le kolona biso. Yet this is all my heart.